Elle grogne. C'est un mauvais jour. Où sont les autres? À l'église. Nous sommes le 17. Madeleine est morte il y a un an aujourd'hui. Il ne devrait pas jouer aujourd'hui. Il est trop mal. Je vais fort bien. Qu'on me laisse en paix. Mais commencez à l'heure où il faudra vous passer de moi. C'est un mauvais jour. Vous savez tous que Molière mourut le 17 février 1673, après la quatrième représentation du Malade imaginaire. Il était né à Paris en 1622, et notre histoire commence lorsqu'il avait 10 ans, il y a 346 années de cela. Jean-Baptiste. Tu joues ? Encore un sou. J'en ai plus. T'as pas d'argent ? Mais j'en aurai demain. Y a pas de demain qui tienne, c'est aujourd'hui. Je vais laisser pour mort. Bougez plus. Toi, on te juge. Descends. Tu es condamné à rester ici au pilori. Les juges ont ainsi décidé. Mais personne ne sait que je monte ici. On ne trouvera jamais. Tant pis, tant pis. Thank you.
m'appelles plus un couard. Tu t'appelles plus un couard. Les morts, hérétiques, juifs damnés, montrez-vous car je vous vois. Je vois bien caché derrière les fauteuils. Du calme, mon cheval. Hardi démon, osez vous montrer, m'affronter, moi que vous faire sauter les yeux hors de leurs trous de l'étonnement que vous aurez à voir mon courage. Allons, laissez-toi le bric que pour moi qui suis juste. Courage, allons, mais... Le pleutre. Je suis touché dans le dos. Vous avez touché la moitié du quart d'une parcelle d'un cheveu de ma maîtresse et de l'épée que voici, je vous arrache les entrailles. Je sens mes forces décliner. Vite, je dois te délivrer. Omnipotens, justar redet. Omnipotens, justar redet. Deus omnia lance. Deus omnia lance. Dieu, punit tout quand il lui plaît. Dieu punit tout quand il lui plaît. Quando cumque venit. Quando cumque venit. Deus omnia crimina punit. Deus omnia. Crimina punit. Crimina punit. Les derniers venus ferment la porte. Les derniers venus ferment la porte. Si quis ultime venerit. Si quis ultime venerit. Habeo occludendum. Habeo occludendum. Erit hospitium. Erit hospitium. Assisit eternus cum ta creata Deus. Assisit eternus cum ta creata Deus. Chante à l'âme, il te fera des paix. Sicante Sasino. Sicante Sasino. Sicante Sasino, crepitus tibi redet abano. Sicante Sasino, crepitus tibi redet abano. Crepitus tibi redet abano. Voyez. Dans le corps humain. Il est beau. Oui, bien sûr. Nous devons considérer sa construction extérieure et sa mécanique intérieure. Combien t'en veux? Un seul me suffira. Dans sa construction extérieure, nous voyons une régularité admirable dans les proportions de toutes les parties. Mais la mécanique intérieure est plus admirable encore, tant l'ordre de Dieu s'y révèle dans toute sa gloire.
Chaque organe habite ce corps selon son rang, les plus vulgaires vers notre fondement, les plus subtils dans notre poitrine, pour arriver enfin à cet empereur de notre corps, notre tête qui règne sur cette ville chère, comme notre roi bien-aimé règne sur ses humbles sujets. Un hérétique étranger, un Anglais, vient de prétendre qu'un mouvement perpétuel et circulaire agitait notre sang. Comment pourrait-on croire qu'un homme qui aurait à l'intérieur de lui-même un tel mouvement n'en puisse être troublé et dérangé au point d'en perdre la tête? De même, comment pourrions-nous croire qu'une infinité de personnes vivant à la surface de la Terre puisse supporter le mouvement de celle-ci sans entendre le vent siffler à leurs oreilles? Quel vacarme! Quelle folie! Quelle confusion que cette Terre, tournant dans tous les sens, et nous-mêmes, agités du même mouvement diabolique dans nos entrailles! Où serait l'ordre et l'immobilité qu'il faut pour penser à Dieu? Ces merveilles prouvent d'une manière persuasive que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Excrementum scandala magna! Excrementum scandala magna! Dieu paie à tout à juste prix. Dieu punit tout. Dieu voit tout. Oh la porte.
paraître monsieur le duc de Villebeuf. À la préséance, il vous prie de lui laisser le passage. Monsieur le duc, ne recule pas! Cédez le pas! Hé, hey, tu vas attendre comme ça longtemps, pauvre couillon? Moi, ouais, j'attends que tu fondes, hein, gros lard! Je me fais nourrir, moi! Je ne me fais pas foutre! Hé, hey, tu regrettes, hein? Hey, attends-moi, Fleurette! J'arrive! Allez-y! Viens voir, allez-y! Entre couillon, entre deux! Encore crotté. Va-t'en. Non. Va-t'en. Non. Bonjour mon cœur, bonjour ma douce ville. Bonjour mon œil, bonjour ma chère amie. Et bonjour ma toute belle. Et bonjour ma toute belle. Ma mignardise, bonjour. Bonjour mes délices, bonjour mon amour. Bonjour mes délices, bonjour mon amour. Mon doux
printemps, ma douce fleur nouvelle. Va aider en boutique, Jean-Baptiste. Tu fatigues ta mère. Ma douce colombelle, mon passereau, ma jante tourterelle. Bonjour, mon doux rebelle. Des couronnes! Des couronnes! Pour mettre au roi dessus sa tête. Des couronnes. Des couronnes. Il m'en faut des belles. Les plus belles. Et demain, pense aux amandes. Amendez-vous, amendez-vous. Amande douce. Des couronnes! Des couronnes pour mettre au roi dessus leur tête! Des couronnes! Des couronnes pour mettre au roi dessus leur tête! Sous la table. Pour qui cette part si belle? Pour maman. Pour ma fille, si belle d'esprit et d'âme. Et celle-ci? Pour la forêt. Pour la forêt. Pour qui ce très très gros morceau? Pour papa. Ah, tu m'as bien entendu, Nicolas? À qui désignes-tu ce très très gros morceau? Pour papa. Non. Oui. Mais bien entendu, Nicolas. Pour grand-père. Comme tu voudras, mon cher petit. Et celui-ci? Pour papa. Pour qui cette part plutôt grosse? Pour moi. Ah. Et celle-ci plutôt vilaine? Pour Jean-Baptiste. Pour Jean-Baptiste. Et ceci sera pour Dieu.
Mais alors, qui l'a ?